I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. So my reflection in the window, I didn't know my own face. Oh God, who are you? Don't leave me wasting away the streets of Philadelphia. Bonjour, Eric Thiemard pour Corde à gratter. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. C'est un morceau sorti en 1993 sur la bande originale du film Philadelphia, un film de Jonathan Demme avec Tom Hanks et Denzel Washington. C'est d'ailleurs un excellent film. Et qui a eu beaucoup de succès, tout comme la bande originale. Springsteen a même reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale, et ainsi que 4 Grammy Awards pour cette chanson. Au niveau instrumentation, c'est par contre assez inhabituel pour du Springsteen, vu que c'est basé sur une boucle de boîte à rythme, avec des claviers par-dessus et des voix. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment une adaptation pour la guitare. On va même voir deux versions, donc une première version qui correspond à la version de démonstration que je viens de vous faire, et une deuxième version qui ressemble à ce que vous entendez en arrière-plan, à savoir avec une rythmique comme ceci. Percussive, où on va chercher à imiter la boîte à rythme tout en jouant les accords. Ça, ce sera pour la deuxième partie du tuto. Alors sur l'intro et le couplet, on va avoir une séquence de 4 mesures qu'on va jouer en boucle. Il va y avoir 2 mesures de Fa et 2 mesures de La mineur. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Et on recommence. Si vous avez un petit peu de peine avec l'accord de Fa, vous pouvez également utiliser un Fa simplifié qu'on va obtenir en mettant l'index ici couché sur les cordes de Si et de Mi. On rajoute le majeur à la deuxième case de la corde de Sol et l'annulaire à la troisième case de la corde de Ré. Et on joue les 4 cordes du haut. Ça vous fait un Fa simplifié. Alors pour la rythmique, on va utiliser un mouvement d'aller-retour de la main droite. Votre main droite, elle va faire bas, haut, comme ceci, sans jamais s'arrêter. Donc elle va garder une pulsation régulière. Et on va marquer quand même certaines de ces croches en grattant les cordes, en descendant ici avec les doigts, ou bien en montant avec le pouce. Donc la rythmique, ça va faire bas, en grattant, on remonte, sans gratter. On descend sans gratter, on remonte en grattant les cordes, on redescend, on remonte en grattant, on descend en grattant et on remonte en grattant. Ça va faire bas, haut, haut, bas, haut, 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 bas. Ça continue comme ceci sur tout le morceau. Alors pour le refrain, on va avoir une séquence de 4 mesures qu'on va jouer 2 fois. Ça commence en Si bémol, mesure de Fa, mesure de Do, et une deuxième mesure de Do. Et on refait ça une deuxième fois. Pour ceux qui ont de la peine avec le Si bémol standard, on peut également utiliser une version simplifiée du Si bémol où on va mettre l'index ici à la première case de la corde de La et où on va coucher le petit doigt en travers ici sur les cordes de Ré, Sol et Si. Un troisième case ici, ça va faire donc ces 4 notes. On va légèrement soulever le petit doigt histoire d'étouffer la petite corde ici qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça va faire ceci. Autre possibilité pour le Si bémol, si vous savez faire un Fa en barré, vous pouvez également barrer à la sixième case pour faire votre Si bémol. On peut également utiliser le Fa simplifié, si vous avez de la peine avec le Fa, utilisez celui-ci, version simplifiée du Si bémol et version simplifiée du Fa, qui vont aussi très bien. Ensuite, Do standard. Alors, dernière partie du morceau, on va avoir le pont, qui est une séquence de 8 mesures qu'on va jouer une seule fois. Ça commence par une mesure de Si bémol,
Ain't no angel gonna greet me. Mesure de ré mineur. Ensuite, on repasse en si bémol. It's you and I, my friend. Ensuite, la mineur. And my clothes don't, en re si bémol, fit me no more. Do. Just a thousand miles. Encore do. Just to slip the skin. Et là, la rythmique s'arrête. Et avant d'enchaîner sur le troisième couplet. Petite variante que vous pouvez faire si vous n'avez pas trop de peine avec les barrés, c'est essayer d'imiter un peu ce que fait le clavier sur le pont. Il s'envole un petit peu. Hein. Donc on peut essayer de changer de registre à la guitare plutôt que de jouer tous les accords ici en bas. On peut monter. Donc le si bémol, on peut le faire ici avec un barré en position de mi à la sixième case. Le ré mineur, on peut faire un barré en position de la mineur à la cinquième case. Encore si bémol. Ensuite, pour le fa, on peut faire une position de do avec un barré à la cinquième. Ensuite, vous avez un la mineur qu'on peut faire avec une position de mi mineur avec un barré à la cinquième. Encore le si bémol, comme tout à l'heure, position de mi à la sixième. Et pour le do, ben, position de mi à la huitième. Ça va faire. Ain't no angel gonna greet me. Avant de repartir sur le troisième couplet. Nice fall, nice. Alors comme promis, on va parler également d'une deuxième rythmique plus percussive. Où là, on va chercher vraiment à imiter la boîte à rythme sur le morceau original tout en jouant les accords. Donc, pour faire ceci, il va falloir utiliser deux sons, un son de grosse caisse et un son de caisse claire. Le son de grosse caisse, on va l'obtenir ici en frappant avec le pouce sur les cordes. Donc j'ai un mouvement rotatif ici, de la main, de l'avant-bras, du poignet. Et ce qu'on va faire, c'est slapper les cordes aussi. Alors il faut faire comme si les cordes étaient brûlantes. Hein. Il faut les frapper, mais il ne faut pas laisser ici votre pouce dessus. Il faut directement les enlever. Ça brûle. Ceci. Il ne faut pas le faire trop haut, parce que là, vous n'avez pas de son de grosse caisse. Hein. Il faut le faire assez bas, peut-être 1 cm au-dessus du chevalet. Ici, vous avez à la fois un son sourd de grosse caisse, et vous arrivez à faire vibrer vos cordes. Il faut essayer un moment pour choper le coup. Hein. Ça ne vient pas tout seul. Ensuite, deuxième son, ben, caisse claire. Ici, on va frapper la caisse de la guitare. Alors moi je le fais uniquement avec le majeur, on peut également le faire avec tous les doigts ou deux doigts. Et il faut également chercher la bonne zone, hein, ici sur votre guitare, ça peut être ici ou plus par là, ça dépend vraiment de la guitare. Hein. Donc cherchez vos sons, et une fois que vous avez trouvé vos sons, on peut commencer la rythmique. Donc la rythmique, c'est une rythmique à la double croche. Sur le premier temps, donc de cette mesure à 4 temps, vous avez... Grosse caisse à la croche, puis deux doubles croches. Ça va faire. Ensuite, deuxième temps, et une caisse claire. Donc ça va faire. Après, sur le deuxième temps, la dernière double croche, c'est également une caisse claire. Et puis le troisième temps, il va y avoir deux grosses caisses à la croche. Donc ça va faire. Et le quatrième temps, c'est juste une caisse claire. Donc globalement, ça va faire. Ensuite, vous pouvez rajouter les accords. N'hésitez pas aussi un petit peu à redresser la guitare, c'est plus facile. Tell what I felt I was unrecognizable to myself. So my reflection in the window hiding. No mountain face, so bright are you.
gonna leave me waste, etc. Eh bien voilà, on en a terminé pour Streets of Philadelphia. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le jouer. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et puis sinon, portez-vous bien à une prochaine pour un nouveau morceau.